Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo déco, déco pour les fêtes. En fait, Blocker, comme vous pouvez le voir, il y a des petits sachets sur cette table, m'a mis au défi de réaliser une table de Noël, une table de fête avec leur décoration. Donc je suis allée chez Blocker, j'ai chopé plein de trucs vraiment sympas. Donc je me suis dit, je vais leur faire une vidéo, comme ça je pourrais vraiment leur montrer tout ça. Du coup voilà, je vais vous montrer ce que j'ai pris et puis après on passe à la déco de table. Au niveau de la vaisselle, j'ai trouvé des assiettes vraiment sympas dans les fonds roses. Donc j'ai pris les petites assiettes plates comme celle-ci. Il n'y a pas les prix dessus mais j'essayerai de vous trouver les prix. Et donc comme vous pouvez le voir, nous ici on a une table ronde. Donc je n'ai pris que 4 à chaque fois, enfin que des sets de 4. Bon, c'est des sets, bref. Je n'ai pas pris 6 vu que de toute façon je n'ai que 4 chaises. Donc voilà, pour les petites assiettes, j'ai pris des assiettes, des petites assiettes comme celle-ci et j'ai pris les grandes assiettes avec le même dessin. Elles sont un peu craquelées comme ça, enfin j'aime beaucoup l'effet un peu céramique, enfin j'aime vraiment beaucoup ça. Pour les grandes assiettes, là je pense qu'elles étaient à 5 euros pièce, c'est basiquement la même chose mais en plus grand, elles sont très jolies, je vais déjà les mettre à table du coup, comme ça on fait la décoration en même temps. Ensuite il me semble que dans ce paquet elle a mis tous les verres et les verres c'est vraiment le truc où j'ai trop craqué, je les trouvais vraiment magnifiques. Et il y avait deux collections que j'aimais beaucoup. J'ai pas su me décider, du coup j'ai pris un de... Enfin, vous allez voir. Les flûtes à champagne, regardez comme elles sont belles. Je vais vous faire un petit zoom parce que je pense que vous voyez pas hyper bien. J'aimais trop le côté un peu pailleté, je trouve ça trop joli. Et là j'ai les prix encore dessus, elles étaient à 4 euros. Donc il y avait cette collection avec les espèces de petites paillettes que j'aimais beaucoup. Et cette collection que je trouvais très chic aussi. Je sais pas si vous voyez, mais en fait il y a un liseré doré autour, enfin sur le haut du verre. Je trouvais ça vraiment très très chic, donc j'ai craqué sur cela à nouveau. Cela était à 4 euros. Le dernier sac, mais pas le moindre, c'est le plus gros. C'est tout ce qui est déco, du coup, pour décorer la table. Alors en tout premier, j'ai craqué sur ce plateau qui était à 10 euros. Donc là, j'ai encore le prix dessus. Je trouve ça très très joli et même pas forcément pendant les fêtes, mais un petit plateau comme ça décoratif. Là, je vais mettre en centre de table. Les chats font n'importe quoi. Donc là je vais le mettre en centre de table avec des petites décorations dessus. Enfin vous allez voir. J'ai aussi pris les couverts parce que clairement on a besoin de couverts quand on fait une table. Et je trouve que ces couverts étaient très festifs, très jolis. Ce sont des couverts qui sont cuivrés comme vous le voyez. Je les trouvais magnifiques. Et là je me rappelle du prix parce que c'est le truc le plus cher que j'ai pris. Et on est à 20 euros pour 4 fourchettes, 4 couteaux, 4 grandes cuillères et 4 petites cuillères. Donc on va ouvrir ça et mettre ça tout de suite sur la table. Et voilà pour les couverts, ça commence à prendre forme, je trouve ça trop joli déjà, je suis trop excitée. Alors j'ai pris des petits sapins, je vais chercher les ciseaux parce que là il y avait encore le prix dessus. Regardez comme ils sont beaux les petits sapins roses comme ça, et c'était 2 euros pour un petit sapin. Donc les sapins bien sûr sont faits pour le centre de table, donc je vais déjà les poser, on arrangera le tout plus tard. J'ai aussi pris des petites pompons pour mettre sur le centre de table aussi. Alors j'ai trouvé ça, je me suis dit c'est trop bien parce qu'en plus j'en cherchais depuis longtemps. Ce sont des pailles réutilisables, donc des pailles en fer. Et il y en a 6 dedans, donc vous avez 6 pailles. Et le petit goupillon pour les nettoyer. Je ne sais pas si ça ira dans les verres que j'ai choisis parce qu'ils sont petits. Mais en tout cas, j'en voulais pour la maison, donc je me suis dit, ok, c'est bon, je les prends. Un truc que je voulais absolument par contre, c'était des serviettes en tissu. Parce que je trouve que ça fait beaucoup plus classe que les petites serviettes en papier. Et ils avaient des super belles serviettes en tissu, donc c'est celles-ci. Je ne sais pas si vous voyez, mais elles sont un petit peu pailletées comme ça. Enfin, je les trouve trop belles. Je me suis dit que sur les assiettes, ça ira super bien. Et je vais les attacher en fait avec un petit bout de ficelle. Donc vous verrez ça après. Comme je vous disais, j'ai totalement craqué pour cette collection avec les petits confettis comme ça. Je trouve ça trop joli. Du coup, j'ai pris les verres et la carafe. Regardez-moi la beauté, je trouve ça trop trop joli. Et donc ça, j'ai encore le prix dessus, donc elle était à 7 euros, 6,99 euros pour être précise. Je me suis pris des bougies aussi, toujours pour mettre sur le centre de table. Donc là, la grande bougie est à 2,49 euros. Et comme j'ai pris la carafe, je vous disais, j'ai aussi pris des verres. Et donc ce sont les verres assortis à la carafe, donc cela était à 2,99 euros. Et je les trouve vraiment tellement... tellement beau. J'aime trop cette collection. C'est trop trop joli. Du coup j'ai pris une bougie un tout petit peu plus petite. Toujours pour le centre de table. Celle-là est à 1,99€. Et encore la plus petite bougie. J'ai vraiment craqué sur les bougies. J'aimais vraiment beaucoup la couleur en fait. Et celle-ci est à 1,49€. Voilà donc pour les serviettes. J'ai mes serviettes. Et en fait j'ai été acheter de la corde tout simplement. Je vais les plier et faire un joli petit nœud en corde. Et voilà ce que ça donne pour les serviettes. Je trouve ça trop mignon, ça fait comme un petit nœud papillon comme ça. Bon, voilà, la table est finie. J'ai trop hâte de vous montrer, je trouve ça trop joli.
C'est pas trop chargé, mais c'est classe. Enfin, j'aime beaucoup, beaucoup. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà pour ma décoration de table. J'espère que vous avez trouvé ça joli. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à m'envoyer aussi sur Instagram, je vous mettrai mon Insta juste ici, les photos de votre table de Noël, parce que je suis curieuse de voir ce que vous allez faire, ou si vous ne faites rien Noël, les photos de votre table de Nouvel An, donc les photos de votre table de fête, tout simplement. Donc n'hésitez pas à m'envoyer ça sur Instagram, je suis vraiment très très curieuse. Et puis bon, n'hésitez pas à mettre un j'aime à cette vidéo si elle vous a plu, et à me laisser un petit commentaire. Et puis je vous fais plein de bisous, et je vous dis à la semaine prochaine.